Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Lola, je suis créatrice, illustratrice de la marque La Baleine qui embosse. Je fais des petits objets de décoration, des objets du quotidien comme des porte-clés, des marque-pages, des pochettes à livres très prochainement, des décorations murales, des cartes postales et plein d'autres choses que je vous laisse aller découvrir sur mon site. Et aujourd'hui je commence cette vidéo plus ou moins sous la pluie, en tout cas il fait vraiment pas beau, et nous sommes le 7 octobre, voilà. Je commence cette vidéo maintenant parce que ça va être un peu short et un peu sport aujourd'hui. En tout cas, début de semaine là, aujourd'hui et demain. Donc, je vous montre ça. Enfin, je commence maintenant parce que comme ça, ça me laissera le temps après de faire à la maison 2-3 trucs que j'ai à faire avant de commencer le tourbillon de la journée. Et coucou tout le monde. Bon, je suis... Attendez. Je viens de finir, il est 11h30, je viens de finir le live avec la commu pour fixer nos objectifs du mois. Je savais pas du tout à quoi m'attendre et c'était trop chouette. Franchement, c'était trop cool. On a pu... Donc on a fait un premier exercice en groupe, vraiment nous avec nous-mêmes. Puis on a fait un deuxième exercice en groupe de 4. Où là on a chacune parlé, etc. Et après, alors j'ai loupé parce que le livreur, la fourche est arrivée, mais je crois qu'il y avait un dernier petit exercice, pardon, et voilà. Donc, écoutez, c'était vraiment cool, ça a duré 2 heures, c'était quand même pas déconnant en termes de timing. Et donc comme je vous disais, j'ai reçu ma commande la fourche, on l'ouvre ensemble. Du chocolat noir, des petits pains comme ça, du sucre canne, de l'orzo, des macaronis semi-complètes, 2 granolas, 2 laits d'amande et 1 lait de soja, 2 tablettes de chocolat parce que je n'en ai plus du tout, du thé Earl Grey pour le matin. J'ai voulu tester, c'est de la marque Pimpante et c'est du gel douche à diluer, c'est à la fleur de tiare et c'est en fait du gel douche en poudre à diluer pour économiser les emballages. J'ai repris une crème pour le visage, du déo, je n'en ai plus du tout, des sardines à l'huile d'olive, des graines de chia, des petits oursons au chocolat, des chips, un paquet de biscuits comme ça, un pesto vert, une boîte de thon, du sucre blond, j'ai pris du sucre canne et du sucre blond, des haricots rouges, des tomates pelées, des haricots blancs, des tomates pelées, un dernier tomate concassée, des noisettes au chocolat enrobées de chocolat au lait, j'aime trop ça, de la crème soja, ah oui, un shampoing, anti-pelliculaire de la marque Cosly. Voilà pour ce petit plein de courses La Fourche. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, les hauls La Fourche. Je serais curieuse de savoir parce que sinon j'arrête, même si moi j'aime bien le faire, voilà.
Bon, j'ai un peu déconné aujourd'hui et je me suis pas du tout organisée comme il faut. Je me suis levée très tard, j'ai baladé ma chienne très longtemps du coup et j'ai lu. Résultat, il est 11h30 et je n'ai rien fait du tout. J'ai du tournage à faire aujourd'hui. Bon, la luminosité est pas dingue, mais en vrai, il n'y a pas trop le choix et ça va le faire. Après, je vais mettre dans le bureau. Dans le bureau, il y a beaucoup plus de lumière, donc ça le fera. Là, j'ai juste la vidéo de lecture à filmer. Bon, écoutez, il fera un peu sombre. On fera avec. Au fait, hier soir, j'ai fait de la cuisine et je voulais vous donner quelques petites idées si jamais. Je me suis fait une tarte quiche, plutôt une tarte, parce que moi, j'aime pas trop les quiches, il faut des œufs et tout, et moi, je suis pas trop fan. Ou du tofu soyeux, j'en ai en plus, mais je veux faire des sortes de danettes avec, donc rien à voir. Pâte feuilletée, moi, j'aime bien manger ça avec du riz. Ou juste comme ça, si tu veux vraiment un repas léger, mais sinon avec un peu de riz. Donc dans mon cuiseur vapeur, premier étage, la barquette de riz à cuire à la vapeur, comme ça, tout est cuit en même temps. Et second étage, un brocoli. Donc je mets tout ça et ensuite je laisse cuire. Le brocoli, il n'y a pas besoin qu'il soit méga cuit. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que quand le riz est cuit, j'enlève le brocoli. Je coupe le brocoli en morceaux. Et ensuite, je mélange une brique de crème soja, un bloc de tofu fumé quand même, ça, la crème, du boursin. J'ai mis une grosse cuillère à soupe de boursin végétal pour un petit peu donner de la mâche et un peu de goût quand même, un peu d'assaisonnement. Bah, j'ai tout mis dans mon plat à tarte et j'ai mis des morceaux de chèvre dessus. Et c'est délicieux. Et tant que j'avais mon four allumé, j'ai fait des cookies. Mira? Dire que je suis saoulée puisque mon imprimante fait encore des siennes. Elle n'imprime plus rien en noir. Bon, bah là, elle a carrément décidé de planter, donc mon ordi la détecte plus, mais je réfléchirai à ça plus tard. h 45, je vais aller balader Lyra et ensuite direction le centre-ville pour aller déposer une commande. Hier soir, j'ai fait une commande client de dernière minute et ensuite je vais à Gibert qui ils sont en face. En fait, ma cliente est en face de Gibert, clairement. Donc, je vais à Gibert récupérer ma commande de livres. Une fois que j'ai récupéré ma commande et que j'ai livré ma commande. Je vais au Babel Community. J'ai été tellement efficace, mais vraiment, je ne pensais pas être efficace à ce point-là. C'était trop chouette. Du coup, j'étais au Babel Community, vous voyez derrière moi. C'est un café vraiment cool qu'il y a à Montpellier. Le concept là, c'est que j'ai payé 15 euros. Et pour 15 euros, j'avais accès à leur salle de sport, à leur vestiaire. Et j'avais aussi un repas, le petit déjeuner.
avec boisson chaude à volonté. Voilà, donc j'ai rajouté juste une boisson chaude dans l'après-midi, je me suis pris un café, un latte, mais c'est tout. Donc en gros, en tout, là j'ai pris en plus la boisson la plus chère de la carte, mais en gros ça m'a coûté pour toute la journée, repas du midi inclus, petit déjeuner, en tout, je le dis beaucoup de fois, en tout. Ah oui, j'ai pu imprimer des papiers aussi gratuitement, enfin c'était inclus. J'ai accès à l'imprimante, à la wifi, petit déj, repas du midi, salle de sport et vestiaire pour 15 euros plus 5 euros de boisson. Pour, si je compte la boisson chaude de l'après-midi, donc ça me fait un total de 20 euros. C'était vraiment très intéressant et très chouette, franchement, j'ai beaucoup apprécié. Donc voilà. Et là, j'ai fini les 16 heures, je crois, quelque chose du genre, 16h, 16h30. Et je vais à la médiathèque qui est juste en face. Coucou, me revoilà. Je voulais vous montrer déjà ma commande fournisseur et aussi trois trucs que je me suis acheté et pris. Comme vous avez pu le voir juste avant, je suis allée m'inscrire enfin aux médiathèques de la métropole de Montpellier. On a un gros réseau de médiathèques à Montpellier. Vraiment, on est vraiment, vraiment... Enfin, en termes de culture, de toute façon, à Montpellier, on est vraiment... on est là, quoi. Et du coup, la médiathèque qu'il y a dans mon village, dans ma petite, très petite ville, eh bien, elle n'est pas rattachée au réseau de la médiathèque de Montpellier et agglomération, pardon. J'y suis allée et j'ai trouvé ce bouquin-là que je voulais vraiment lire, Wilder Girls, un tout petit peu dans l'esprit labyrinthe de ce que j'ai compris. Il y a une histoire entre deux filles qui tombent amoureuses et tout ça et tout ça. Ça a l'air très cool, il est quand même assez gros, mais alors c'est un livre pour ados, hein, il est au rayon enfant, enfin jeunesse, roman jeunesse, il est écrit très gros, franchement ça va aller vite. Je pense qu'une fois que j'aurai lu La passeuse de mots, là, que je suis en train de lire, je lirai celui-là. Et ensuite, à Gibert, je me suis acheté Humanimal, qui vient de sortir, qui est sorti il y a 15 jours, de Amy LTR. Vraiment, il a l'air incroyable. J'ai lu les 4-5 premières pages tout à l'heure dans le tram et il a l'air génialissime, vraiment. Pareil, on est sur un livre qui va se lire très très vite, franchement. J'ai trop hâte. Et un livre que j'avais très envie, il s'agit de La société très secrète des sorcières extraordinaires. Alors, je l'ai acheté, enfin j'ai reçu comme ça. Donc, on a un petit livret que j'ai feuilleté très rapidement en marchant, mais à l'intérieur, c'est franchement, c'est un livre d'occasion, mais c'est un livre qui a été entre les mains d'une personne, en tout cas, qui reçoit des livres de la presse, puisque ici, on a un petit livret avec même les coordonnées de la personne en charge aux éditions Lumen, attachée de presse aux éditions Lumen. C'est un petit carnet presse en fait qui est offert aux envois presse. Donc la couverture, ce livre, c'est une couverture soft touch incroyable avec en embossage à chaud les dessins, le texte, la petite sorcière et tout. Enfin franchement, l'expérience du livre est cool. Il est gros, il est grand et gros, j'ai trop trop hâte de le lire. Et quand je l'ai ouvert, surprise aux surprises, il y avait ceci à l'intérieur qui est un petit sachet de graines de coquelicot. C'est une trop bonne idée. C'est écrit assez gros aussi, mais c'est quand même, par contre là on est sur un plus gros bébé, hein. On est sur 400 pages, 406 pages. Amy LTR, on a un livre qui est... bon, en termes de taille, on est à peu près similaire, mais on a une centaine de pages en moins. Voilà. Donc, pour ces deux petits achats. Maintenant, le gros colis. C'est gros, hein, je vous le dis. Donc, demain, j'ai rendez-vous chez mon imprimeur pour parler des DTF. J'avais peut-être évoqué. Donc déjà, mon colis, c'est le même fournisseur que la dernière fois. J'ai racheté des gobelets. Il est en meilleur état, mon colis. Il n'est pas ouvert, au moins. Je vais chez mon imprimerie demain pour parler d'ETF, puisque, comme je vous l'ai dit, je veux changer
J'ai plus envie de faire de vinyle pour mes verres et tout ça. Je veux proposer des gobelets, mais avec du DTF. Donc, on est en train de voir ce qu'on va faire. Ensuite, chez ce même fournisseur, j'ai commandé de quoi plastifier mes produits, là, mes stickers. Mais vous savez, j'avais pris du transparent et du papier stickers holographique. D'ailleurs, il faut absolument que je trouve une solution pour mon imprimante, parce que ça vient de me revenir. J'ai repassé commande pour, vous savez, les brillants comme ça. Et donc, c'est un set. À l'intérieur, vous avez du brillant holographique tout simple, du pailleté très très petit. C'est très dur de vous montrer. En plus, il y a une luminosité pourrie ce soir. J'espère qu'il ne va pas se mettre à pleuvoir. Et des petites étoiles. Mais bon, vous ne verrez pas. Mais en tout cas, j'ai recommandé, je crois qu'il y en a 10 de chaque. Ensuite, ah c'est cool, c'est assez gros. J'ai commandé chez donc des pentacles, enfin des pentagrammes comme ça à suspendre. J'ai pris des disques en bois comme ça pour faire mes talismans. Un autre truc, hop. J'ai pris, parce que j'en avais besoin. Waouh, m'a donné mal à la main. Bon, je vais les remettre dans leur sachet et je vais les purifier. Des petites cornalines et de quoi faire des petites boucles d'oreilles puce. Je veux faire en plastique fou, petit haul bien sympathique. J'espère que ça vous aura plu. Doucement revient vers toi. Est-ce que mon réponse ne parvient pas? Les deux rivaux n'ont pas ménagé leurs efforts pour conquérir le problématique. Alors garde. Alors, attendez, je vous pose. J'ai imprimé une feuille test. Alors déjà, j'ai réussi à imprimer un truc. Mais maintenant, ma problématique, c'est que elle se met en erreur. Ah oui, et du coup, l'imprimante arrive à imprimer du noir. Parce qu'elle n'arrivait pas à imprimer du noir jusque-lors. Mais je crois que j'ai réussi à lui faire nettoyer les têtes d'impression. C'est peut-être ça. Puis j'ai genre ça de commande à faire. Plein de stickers et tout. Putain, j'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. J'ai la malédiction de l'imprimante. Ça va être le titre du vlog. La malédiction de l'imprimante. Vraiment. Ma machine est en train de finir de découper, on est sur la fin et je suis en train de faire un test d'Infusible Ink sur du tissu
Je suis allée acheter du tissu, j'ai acheté plus que prévu pour pouvoir faire des tests. Donc, c'est parti. J'ai sélectionné 4 motifs, ce qui était mon but. Le but, c'est d'avoir tous ces motifs-là dispo pour pouvoir les imprimer sur les pochettes à livres et au dos, pouvoir imprimer les prénoms. J'ai testé l'impression Infusible Ink, ça s'imprime parfaitement bien et j'aime bien, en fait moi j'aime beaucoup cet effet déjà que ça bouge pas dans le temps et que ça va c'est vraiment unique en termes d'impression et j'aime trop, donc je suis trop contente, vraiment ça rend trop bien. Faire la clôture de ce vlog. Je vais faire mon ménage et ensuite je vais ranger la maison et ensuite mon ami arrive et on mange et ensuite on fait tout plein de trucs qu'on a à faire aujourd'hui, donc let's go. Avant, après, voilà l'état de ma maison, d'accord. Il y en a partout, c'est un désastre. Vous pouvez le constater, c'est bien plus rangé. Ah oui, j'ai sorti ça parce que j'ai un client qui est venu me chercher une commande. Je me suis pas trompée, hein. Non, c'est bon. Donc, hop, ça c'est une commande que je vais livrer lundi. Et voilà. J'ai tout nettoyé. On a toujours la télé, la musique, j'ai la musique dans les oreilles. J'ai tout nettoyé. Il manque plus que la vaisselle à faire ici. Voilà, la chambre, voilà, et enfin la salle de bain, ah, ça fait du bien. Je vais laver la douche, je vais aller me doucher et nettoyer un peu la douche parce que c'est pas jojo, et voilà, mon ami arrive dans une dizaine de minutes, donc j'ai le temps d'aller nettoyer la douche et je serai en train de faire la vaisselle quand elle sortira, quand elle arrivera. Thank you.